La communauté d'agglomération du Grand Dax a inauguré son nouveau siège en plein cœur du quartier de la gare. Celui-ci s'inscrit dans la volonté de regrouper l'ensemble des services administratifs sur un seul bâtiment afin d'optimiser les coûts. Il offre, par la même occasion, des bureaux adaptés à la montée en charge du Grand Dax et aux besoins des agents. L'auditorium Jacques Antian, dédié aux réunions des commissions, est doté d'outils multimédia modernes. Les conseils communautaires seront désormais visionnables sur le site internet de la communauté d'agglomération du Grand Dax. Ce nouveau bâtiment s'intègre dans ce quartier de la gare de Dax qui est appelé à se moderniser dans les mois à venir. L'aménagement d'un pôle d'échange multimodal regroupera l'ensemble des modes de transport. Le bâtiment de l'ancien centre de tri postal, une fois réhabilité, accueillera le centre d'innovation technologique Pulseo. Ce bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui symbolise à lui seul la montée en charge de ces dernières années. Et pour conclure, j'aimerais saluer les anciens, mais aussi pour Jacques Antian. Nous avons dévoilé cette plaque pour cet auditorium qui portera désormais son nom. Et je pense que le nom de Jacques Antian est désormais associé à cet auditorium et aux débats qui se poursuivront en son sein.